Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche 10. Là je suis dans mon canapé, je viens de finir de manger avec mon chaton. Et je me prépare parce que je vais aller au stade. J'ai ma copine Clarisse qui a gagné des places pour aller voir l'OM en VIP. Donc du coup je me suis dit je vais vlogger puisque c'est intéressant, c'est bien et je vais vous amener au moins quelque part. Depuis ce matin j'avais trop la flemme. Bébé c'est trop fort. Il y a chaton qui est en train de jouer à la plaie. Mais de toute façon, je vais sortir de la maison dans 5-10 minutes. Du coup, je me suis dit, je vais vous prendre et je vais vous amener avec moi. Vous allez passer cette journée avec moi. Il y a Omalé qui est allongé dans le canapé depuis tout à l'heure. Toujours avec moi. Et je vais aller vite fait me repoudrer le nez. Je vais aller me reprendre. Je me crois dans un film, je vais aller me repoudrer le nez. Je vais aller me maquiller vite fait un tout petit peu. Et après, je vais prendre avec moi. Si chacun veut vous dire bonjour, il vous dit bonjour. S'il ne veut pas, il ne vous dit pas. Salut. Eh ben voilà, c'était un salut. Allez, je vous laisse 2 secondes parce qu'il me reste 5 minutes pour me préparer et aller vite fait chercher Clarisse. À tout à l'heure. Ça y est, j'ai retrouvé ma copine Clarisse. C'est elle. Elle est en train de filmer pour... Pour le Twitter de sa sœur. Parce que sa sœur a un compte Twitter, elle va vous expliquer. Elle fait quoi exactement? Elle fait des sondages. En fait, ça parle de foot et du tennis. Donc, son compte, c'est 10 questions sur Twitter. Je vais vous l'écrire en bas après, comme ça donc, au moins. Du coup, elle fait des parles de sport. Et donc, si vous avez un compte Twitter, allez-y la suivre et allez suivre tout ce qu'elle fait. C'est super intéressant. Et là, c'est Clarisse qui a gagné des places. Je ne sais même pas si je vous avais expliqué. Clarisse, en fait, elle joue tout le temps sur Facebook. Des invitations. À des invitations, à des concours et à chaque fois, elle gagne. La semaine dernière, je ne sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram parce que je n'ai pas fait de vidéo. Mais sur Snapchat, je crois que j'avais fait des stories et c'est avec elle que j'étais. C'est elle qui avait gagné des places. On est parti voir au Palais des Sports, Open 13. Ouais. Et là, on va aller voir l'OM VIP. Ouais, il est 19h. C'est ça. Trop, trop bien. Voilà. Donc, vous allez venir avec nous et je vais vous montrer tout ça. Là, on est au métro. On attend le métro qui arrive. On est venu en voiture, mais on est garé juste dehors. On ne va pas aller en voiture jusqu'au stade parce qu'il n'y a pas de place. Monde. Voilà, il y aura trop de monde et il n'y a pas de place. J'ai les yeux un peu rouges parce que j'ai pleuré un peu ce matin. J'étais un peu triste ce matin. Mais là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Ça va mieux. Alors, à tout à l'heure, je vous reprendrai tout à l'heure. Regardez par où on va rentrer, nous. Les autres, ils rentrent par là-bas ou je ne sais pas où. Et nous, on rentre par là, par le côté salon. Très, très bien. Ça y est, on est rentré avec Clarisse. On vient de prendre une photo juste là derrière. On est avec les filles qui sont de l'autre côté. Je vais vous montrer vite fait. Elles sont là. Après, je sais pas s'il y en a qui veulent qu'on les voit ou pas. J'ai un truc sur la lèvre. C'est bon. Donc là, je vais vlogger et puis voilà quoi. À la de suite. Et là, ça y est, c'est parti pour le côté VIP. Je prends là. On nous a passé des feuilles de pronostic pour remplir et dire qui va gagner. Si l'OM ne gagne pas et à quel moment exactement. Ah oui, je ne vous ai même pas montré l'intérieur. Regardez, je vous montre ce que ça donne parce que j'ai fait un snap tout à l'heure, mais je ne vous ai pas montré à vous. On est assis vraiment tout en haut, aux terrasses en fait. On est sur les terrasses. Et en plus, il y a mon nom sur la chaise juste là. Vous voyez mon nom? Juste. Ah! La caméra ne tient pas. Postez depuis Facebook, Twitter, Instagram vos messages ce soir dans le hashtag. Juste. Là, vous voyez, il y a Clarisse juste à côté. Après, je vais aller vous montrer l'intérieur, ce que ça donne. C'est trop, trop, trop bien. On a champagne au fer, on a à boire, on a tout ce qu'on veut. Clarisse, là, elle a parié 3-1 à la 11e minute. À la 11e minute. Écris pour moi, s'il te plaît. Pour moi, ça va être 2-1. 2-1 pour l'OM à la 40e minute. Voilà. Pour moi, c'est 2-1. Je vais aller vous montrer l'intérieur parce que ça donne, franchement, c'est trop trop bien. C'est trop beau, c'est trop sympa. On va la mettre à l'urne ? Ouais, attends, je viens. Venez avec moi. Je vous montre ce qu'on a à l'intérieur. Ça donne ça à l'intérieur. Ah bon?
rentre, il y a que des femmes. Mon chéri, il aurait été trop, trop content d'être là. C'est un truc de fou. Marc, ça arrive. Je me suis sûre qu'il va marronner qu'il va voir la vidéo. Mais il a déjà été, donc ça va. Ouais, mon père aussi. Oui, alors, Carissa, t'es déjà venue une fois avec son père. Ouais, en fait, j'avais gagné. Mon père avait gagné. L'invitation. C'est une qui avait joué, mais avec le nom de son père, en fait. Il a vu que c'est uniquement des invités féminins. Il pouvait pas venir, à moins de se déguiser. Ouais. Donc, du coup, j'ai invité. Michou, donc c'est moi qui venais avec elle. Puis voilà. Allez, à tout à l'heure, on se retrouve pendant le match. À tout à l'heure. Là, on est assise, on attend que les joueurs sortent pour s'entraîner, puis on va aller les regarder. Clarisse, elle fait toujours des vidéos. On est sorti pour pas de chaleur, il y a à l'intérieur, mais on est bien dehors, on est bien à l'extérieur. Donc voilà. En attendant, je me suis pris un verre de champagne. Et voilà, il y a à grignoter aussi à l'intérieur, il y a des petits fours, des trucs sucrés, salés, il y a un peu de tout. Et c'est trop bien, il y a le nom, il y a une ancienne Miss France, je crois que c'est celle qui sera avec Abdelrami, je sais pas, c'est... Non, c'est pas, c'est qui ? Rachel Trapani. Rachel Trapani, si vous connaissez. Une ancienne Miss, elle sort avec un ancien footballeur de l'OM. Et il y a aussi une meuf de TPMP, c'est Émilie Lopez, elle aussi, elle est là. Il y a plein de personnes que, genre, qu'on connaît vite fait sur les réseaux sociaux ou sur... à la télé qui sont là. Voilà quoi. On est passé, mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop, trop, trop bien. J'essaierai de vous montrer tout ça tout à l'heure. Je suis toujours en train de bouffer. Regardez. Merci. C'est la dière, elle a l'air pas mal. Hein. Là, on descend. On va aller voir les joueurs en train de s'entraîner. Je vous reprendrai après. J'essaierai de vous montrer tout ça. Alors là, nous sommes descendus sur la pelouse. On va attendre les joueurs. On a droit de les regarder s'entraîner. En fait, c'est un truc spécial pour les femmes. Donc, on est que les femmes, en fait. Et on a le droit à nos petits badges, en fait, pour pouvoir descendre. Et là, bientôt, il va y avoir les caméras qui vont être sous nous. Il y aura Lolo qui vont apparaître sur là où il y a la pub à chaque fois quand il y a le foot. Voilà, ça donne ça. Là, on attend que les joueurs y descendent pour s'entraîner. En attendant, on peut faire des photos, on peut regarder, faire ce qu'on veut, quoi. Et il y a tout le monde qui vlog, qui snap, qui stories, qui fait plein de choses. Poisson fait par un chef avec des ratatouilles. Je mange ça. Là, c'est la 8 ans. Et on attend pour l'instant, il y a 0-0 partout pour ceux qui ont regardé le match à la télé. Parce que là, quand vous allez voir ce vlog, à mon avis, ça va être une semaine plus tard. Parce que là, j'ai tellement de vlogs en retard, j'ai rien posté encore, c'est abusé. J'ai trop, trop de vlogs en retard. Mais ce soir, déjà, je vais essayer de poster un vlog. Ça va être bien. Et voilà. Clarisse, elle est en train d'écrire des messages à qui, je ne sais pas. À Twitter. Sur son Twitter. Ça va. Et j'ai mon sucré aussi, mon assiette de sucré qui est juste là. Donc voilà, j'ai fini d'abord ça et après je vais manger mes petits gâteaux. Ça y est, c'est fini, l'OM a gagné. C'est terminé. Là, on prend les escaliers parce que depuis tout à l'heure, on attend l'ascenseur. Il y a trop, trop, trop de monde. Ça vient pas. Oui, faut pas trop descendre parce que si on descend trop, après, on se retrouve au sous-sol. Mais franchement, on a passé une putain de bonne soirée. C'était trop, trop bien. N'est-ce pas, Clarisse? Elle, c'est la deuxième fois qu'elle passe ce genre de soirée. Alors que moi, c'est la première fois que je passe une soirée au VIP de Noël. Et je repars avec un joli petit ballon pour les petits.
où je jouerai avec Omalé, avec où je donnerai à Nadré ou à Anissa, on verra bien. Tu feras des têtes. Ouais. Par contre, on ne sait pas où il faut s'arrêter. Allez, je vous laisse, on reprend après. On dirait qu'on est à la manifestation des gilets jaunes. Ça y est, je suis rentrée et je viens d'arriver. Là, je prends l'ascenseur. C'est bien avec mon ascenseur parce qu'il est toujours là. Il est minuit 10. Il est minuit 10 et j'essaie d'acheter à manger pour Chaton parce que je me dis qu'il n'a pas marché, j'ai rien trouvé du tout. Donc là, je suis super fatiguée, je vais rentrer, me laver le visage, me brosser les dents et aller faire dodo car demain je travaille. Oui, c'est reparti pour le vlog. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à mettre des commentaires et à bientôt dans un nouveau vlog. Bye.